Alors, Jean-Pierre Gérard, bonjour. Vous intervenez sur la matière, mais vous intervenez comment sur la matière ? Alors, intervenir sur la matière, c'est un sujet qui fait florès, mais qui est aussi très polémique. D'abord, comment peut-on imaginer que l'esprit va se délocaliser en quelque sorte pour aller titiller les atomes de la matière et les transformer et les changer tel qu'on le souhaite ? Ça paraît absolument invraisemblable. En fait, comment j'interviens sur la matière ? Comment vous pouvez également intervenir sur la matière ? Il faut savoir que la matière contient une information. Ah, qu'est-ce que ça veut dire une information ? La matière a, dans sa composition intime, pas beaucoup d'informations. Mais elle en a une. Et en fait, l'esprit cohéré que nous avons de désirer, je dis bien désirer, pas volonté, désirer de modifier cette matière, peut être un feedback que nous obtenons, un feedback esprit-matière. Il y a une résonance informative qui va exister entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'information dont je vous parle ? Je vais vous prendre un exemple. Je suis dans un hôtel. Je suis au premier étage, il y a 100 chambres. À minuit, tout d'un coup, me prend l'idée, aussi sotte que grenue, d'ouvrir la porte de ma chambre et de hurler dans le couloir au feu. Est-ce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie ? Non. Par contre, 99 personnes vont sortir de leur chambre avec armes et bagages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, nous n'avons pas le principe classique de rapport d'énergie, le principe de causalité. On a bien compris mon propos. C'est-à-dire que sur une dépense relativement raisonnable, j'ai créé un événement très important au point de vue énergie, puisque nous avons 99 personnes qui sortent et qui vont dépenser une énergie évidemment énorme. C'est ça la théorie de l'information. C'est que l'information peut, on peut avoir une résultante d'énergie plus importante que celle qui est générée en amont. Alors évidemment, il faut un état mental particulier pour pouvoir agir sur cette matière. Il faut être dans la croyance qu'on peut le faire à travers des éléments objectifs que nous considérons comme objectifs rationnels. Pour être après dans l'évidence qu'on peut le faire. Et j'agis comment sur la matière ? Je n'y mets aucune volonté. C'est un désir. Désir que je compare à la libido d'ailleurs. La libido s'exprime dans un état effectivement de détente et de désir. Et on comprend très bien ce que je veux signifier par là. Alors, nous avons tous cette capacité à agir sur la matière. Mais, comme nous pensons que ce n'est pas possible, ben nous n'arrivons pas à le réaliser. Je ne sais plus qui a dit « c'était impossible, mais ils ne le savaient pas. Alors ils l'ont fait. » Je ne sais plus qui a dit cela à propos d'un exploit et tout. Ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Parce qu'ils ne savaient pas du tout qu'il y avait des limitations à ce qu'ils ont fait. Tout le monde peut éventuellement agir sur la matière. Mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde ? Non, tout le monde. Alors, est-ce qu'il n'y a que vous qui pouvez agir dessus ? Alors, on est tenté de penser que, au fond, il n'y a que quelques sujets exceptionnels dont je fais partie qui peuvent agir sur la matière. Non ? J'espère qu'à vos yeux, je passe pour un être profondément normal et que mes paramètres, si on explore mes paramètres psychophysiologiques, on s'aperçoit que je suis d'une banalité par rapport à d'autres humains qui est vraiment évidente. Tout le monde peut agir sur la matière, peu ou prou, mais comme nous avons des musiciens, compositeurs de grand talent, des peintres de grand talent, et puis d'autres qui font de la peinture de notaire à la retraite, ou qui jouent gentiment de la musique. Je crois que, là encore, c'est la croyance et la capacité que nous avons de pouvoir le faire qui va nous guider. Dans les stages que je donne, nous avons des stagiaires qui font des phénomènes parfois plus importants que ceux que je leur montre. Et je suis très heureux quand c'est le cas.
Donc, il ne faut pas avoir de prévention et puis dire qu'au fond, agir sur la matière, c'est formidable. Oui, c'est rare. Mais peut-on imaginer que cette action de l'esprit sur la matière, rapportée à l'action de l'esprit sur le vivant, qu'elle ne peut pas être plus intéressante ? Agir donc sur un vivant qui est, pour des causes diverses, qui est pathologique et dont on va rétablir un état de bonne santé, c'est pas plus intéressant qu'une barre qui se courbe. Alors la barre qui se courbe ou les métaux qui se transforment, puisque j'ai transformé les alliages dans des tubes de verre, j'ai mes travaux qui ont été, qui ont fait l'objet d'une publication à l'Académie des sciences, j'ai fait l'objet de publications dans des revues scientifiques, un comité de lecture. Parfait. Donc j'ai confirmé, à mon niveau, la réalité du phénomène. Et pourtant, c'est une réalité qui n'est pas acceptée par tous. C'est comme ça. Je continue mon parcours, et justement pour répondre à votre souci, votre question, mais en essayant de faire un prosélytisme mesuré, de bon aloi, pour que tout le monde puisse accéder à ses capacités. Mais je répète, si quelqu'un ne courbe pas une barre ou ne fait pas déplacer un objet à distance, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'état modifié de conscience qu'il va avoir, que nous essayons de communiquer, va lui permettre dans la vie quotidienne, de pouvoir avoir ce petit plus différent qui va lui permettre de gérer, par exemple, un entretien, qui va lui permettre d'influencer, dans le bon sens du terme, peut-être un employeur, pour avoir un poste différent ou une augmentation qui est justifiée, s'il est dans la croyance et dans l'évidence qu'il mérite cela. Ça peut être aussi également pour soigner quelqu'un, aider quelqu'un qui est dans la souffrance. Bref, il y a des tas d'applications pratiques dans le quotidien. Parce que je ne vois pas tellement le pillage des barres, les transformations métallurgiques, les actions comme j'ai fait sur des bactéries à distance, ont pour but simplement de montrer l'évidence du phénomène, qu'il existe ce phénomène. Et la science a besoin de moyens tout à fait objectivables, contrôlables, répétitifs, que j'ai réalisé. Mais l'essentiel de la parapsychologie dans le quotidien, heureusement, ne se limite pas à des barres qui se courbent, des objets qui se déplacent. Vous dites réaliser des stages, mais ces stages sont réalisés. Comment vous les réalisez? Pourquoi et comment? Alors, si je donne des stages, c'est vraiment dans un souci de communication. Et justement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est pour véritablement dire, mais attendez, je vais vous faire le point déjà de la parapsychologie dans ce début de siècle. Savoir où nous en sommes. Souvent, on découvre dans ces stages qu'il y a des travaux énormes qui ont été faits dans ce domaine. On découvre aussi que nos chers militaires, nos chers politiques utilisent la parapsychologie depuis longtemps. Et ils ne sont pas attendus de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et je pense notamment au Patagone, enfin à la CIA, qui a dépensé quelques 20 millions de dollars en 20 ans pour utiliser des sensitifs, on nous appelle comme ça, des sujets psy, pour faire de l'espionnage à distance. Mais si je fais des stages, ce n'est pas pour parler forcément de la CIA ou de ce que peut faire la parapsychologie dans certains domaines politiques ou militaires. Ces stages qui durent 2 jours sont des stages d'initiation et je dirais là aussi ce prosélytisme que je fais à travers les stages, maintenant ça fait pas mal d'années que je fais des stages et nous en sommes à quelques milliers de stagiaires, mais ces stagiaires parlent autour d'eux et en fait il se répand là comme ça quelque chose au niveau populaire dans le sens noble et pas par le haut de la pyramide mais par la base populaire qui fait que effectivement de plus en plus nous avons une acceptation de ce phénomène et nous avons des personnes, notamment les jeunes, qui réalisent ces phénomènes de façon absolument étonnante. Donc si je fais des stages, si je donne des stages, c'est précisément je dirais dans un sens vraiment de partage. Et nous avons des surprises forcément très agréables dans ces stages, et notamment chez les jeunes, qui nous font des merveilles. Ils ont moins de censure, nos jeunes, moins de censure. Ils voient des séries américaines, ils voient des choses qui parlent de parapsychologie. Donc dès le plus jeune âge, il y a cette sensation diffuse, inconsciente,
que tout ça, c'est bien normal. Peut-être que vous montrer comment vous pouvez tordre les fourchettes par la force de la pensée. Alors, une fourchette ne m'intéresse pas du tout. Jamais je ne tordrai une fourchette devant qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère soit faire des expériences en laboratoire ou à la télévision, qui maintenant la télévision a des exigences comme le laboratoire, et j'y tiens. Quand je réalise une émission de télévision, je suis plus exigeant souvent que le metteur en scène, en disant non, vous marquez la barre au feutre au dernier moment, ça va, c'est bien la barre, attention là, table de verre, attention là, boussole pour voir s'il n'y a pas de magnétisme et tout, etc. Je tiens à cela. Dans les stages, même quand les barres sont courbées ou d'autres phénomènes, j'explique de façon non insistante mais suffisamment précise en disant regardez là, la barre que je prends, je la fais rouler pour montrer qu'elle n'est pas prétordue. Regardez, vous faites ça, regardez, là, pour les petits objets qui tournent, là, qu'on fait tourner sous un bocal de verre, je montre avec une boussole qu'il n'y a pas de dispositif magnétique. C'est-à-dire, tout en donnant l'impression qu'on n'est pas dans la rigueur du laboratoire, je suis d'une exigence pour que les personnes qui viennent à ces stages et qui repartent de ces stages disent à leur entourage, ah oui, mais j'ai vu, ah oui, mais dis donc, c'était pas, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là, non, on nous a montré, c'était pas magnétique, parce que si, parce que là, il y a eu des contrôles, et puis j'ai quelqu'un à côté de moi qui a fait un phénomène, c'est pas Girard qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre à côté de moi, et pour moi, ça, c'est que du bonheur, mais des expériences dites de salon, comme ça à l'extérieur, je ne les fais pas, et parfois, ça m'arrive auprès de journalistes, par exemple, qui me donnent une cuillère, une fourchette, je monte la fourchette. Vous voyez ce que vous venez de voir là, c'est un trucage que font les illusionnistes. Et vous n'êtes pas digne de cela. Donc je ne fais pas de démo comme ça, ex abrupto, sur des fourchettes, des cuillères, tout comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je laisse ça aux illusionnistes qui ont des cuillères, en nitinol qu'on appelle, des matériaux à mémoire, qui font qu'avec les doigts qui sont à peu près à 34 degrés, la mémoire de forme est à 34 degrés, approximativement, quand ils la tiennent au vu et su de tout le monde, la cuillère se courbe. Donc, je vous dis ça parce que j'ai un respect pour vous qui m'interviewez et que je ne ferai pas une expérience, si vous me le demandiez, de ce type. Avez-vous des projets à l'heure actuelle ? Et quels sont vos projets ? Alors, on a plein de projets, notamment un film pour les États-Unis, pour la Fox, où nous allons long métrage qui va reprendre un petit peu des aspects particuliers de ma vie d'aventurier. Entre espions de la CIA, entre des missions, etc. Enfin bref, des choses qui sont assez rocambolesques. Et c'est une reality fiction qu'on appelle, hein, où je vais être co-scénariste et conseiller technique, advisor. Voilà. Et puis surtout, j'ai des projets vraiment qui sont en cours déjà pour agir, donc sous un contrôle médical, etc. Agir sur les. Voir comment un sujet peut agir en ralentissant des processus dégénératifs, notamment dans des pathologies, hélas, qui envahissent actuellement le monde, telles que la maladie d'Alzheimer, par exemple. Nous avons des résultats qui sont encourageants. Dire que nous avons des résultats spectaculaires serait faux. Nous avons des résultats qui nous encouragent à l'aide de thérapies que nous associons, que nous avons, que je vous le rappelle, j'ai quand même déposé des brevets de médicaments. Donc je connais un tout petit peu la physiologie et nous savons le problème qui est posé dans cette maladie terrible qu'est la maladie d'Alzheimer, hein, ces plaques bêta-amyloïdes et ces protéines tau qui accumulent et qui hélas au niveau hippocampique évidemment font que les neurones sont complètement détruits et masqués. Nous sommes sur des voies thérapeutiques intéressantes et je pense qu'en les 2 ans qui viennent, nous aurons la solution que beaucoup attendent. Parce que c'est terrible cette pathologie, surtout pour les accompagnants. Voilà. Alors c'est les projets, puis projet, faire des stages, tant que je crois citer mon âge, 71 ans. Donc tant que la santé me le permettra, hop, voilà, nous ferons des stages, nous faisons beaucoup de télévision, beaucoup, puisque cette année j'ai déjà 5 émissions de télévision qui sont dans. Voilà, et nous avons encore des projets. C'est très bien parce que ce prosélytisme, on doit le faire. Les médias, oui. Et maintenant, nous faisons beaucoup de aussi de télévision par le net. Donc, bravo pour la télévision du net, qui a une audience, tout un public focalisé. Nous avons une audience extraordinaire. Et de plus en plus, je participe donc à des émissions
de télévision. Sur le net. Voilà, sur le net. Parfait. Ben, je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'interviewer.